Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Stellaris Ancient Relics. Merci à tous ceux qui suivent cette série parce que j'adore ce jeu. Je vous bascule sur le jeu et ça va être la course au débris. C'est la course au débris là, faut foncer. Le premier là, 451, il est où? Voir, il est là, à Dijda. Oh, ouais, ben non, là ça va être plus que difficile celui-là. Pas forcément. On peut envoyer celui-là. Allez, go. Alors, il faisait de la recherche à la base, mais on peut en envoyer un autre faire de la recherche. On peut même arrêter de faire de la recherche le temps qu'on fasse la course au débris. La course au débris. Et la course aux stations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'en ai 9 à faire. Et c'est terminé. Mais c'est pas que. Ici, il y a une espèce de quelque chose. Méga structure. Il se passe quelque chose là dans le coin. Mais je pense que c'est ici le pire parce qu'on n'a même pas le nom de la planète. Donc là-bas, il y a un espèce de... À mon avis, c'est un empire déchu. On va en savoir plus. Voilà. En tout cas, on va blinder, comme on a dit. Ici, ici. Deux endroits. Trois endroits. Quatre, cinq endroits. On a cinq endroits et à chaque fois, en plus, vraiment les portails, 1, 2, 3, ça correspond à au moins deux des points d'entrée de notre frontière, donc c'est vraiment pas mal de les avoir laissés en point d'entrée comme ça. Par contre, après, on aura encore tout ça qui va nous donner des faiblesses. On verra ça plus tard, mais pour l'instant, on va se focaliser sur tout ce qu'on peut explorer. Des débris, des débris, des débris. Toi, tu continues là, par contre. Comment ça se fait que t'es personne? Et ben voilà, recruter. Reconnaissance du système. Toi, tu vas construire. Alors non, toi, tu vas pas aller là. Tu vas aller là. La priorité, c'est ça, c'est les bases. Toi, par contre, évidemment, tu es tout près d'ici. Tu vas faire ça. Puis ça. Voilà. Ça, bah, c'est les invasions. Hein. Vous allez revenir comme d'habitude sur Joldirun. Voilà. Lui, il a été explorer le trou de ver. Et donc, on va en profiter pour venir explorer tous ces trucs-là. 1, 2, 3, pour finir notre grand projet. Voilà. Parce que là tout va bien. Construction, bah évidemment, alors là tu vas y aller. Hein. Tu vas te faire plaise, mec. Non, tu vas pas te faire plaise. La priorité, c'est ça, avant qu'ils débarquent avec leurs gros sabots là. Je les vois venir, moi, gros comme une maison, là, à foncer avec leur vaisseau de construction en disant ouais, il en reste un peu là-bas. Ça me plairait pas du tout. Donc on va s'occuper d'après. Planète protégée, curieux. Barrière énergétique impénétrable qui englobe jusque la planète autour de laquelle elle orbite. Volume 20. Construction complete. Alors, Volume 20, je sais pas où c'est, hein, j'ai pas trop compris cette histoire. On va enquêter sur les entités cristallines. On est d'accord, tout ça, on les marque sur la carte. Hein. Allez. Alors lui, c'est l'armada, il est payé pour un moment, mais bah, on va pas s'en servir vraiment en fait. Dans le doute. Parce que c'est le prochain qui pourrait m'attaquer, tu vas venir te mettre là. Et en plus, c'est un portail, du coup. Voilà. Strike Force. Alors, toutes les Strike Force se replient tous au même endroit, à Nemak. Allez, go. On va arranger tout ça à la main. Surtout que maintenant, la limite de force, c'est 100, mais en même temps, on a 127, donc notre vraie limite de force, c'est une soixantaine. Oh. Ah, voilà. Un nouveau truc, base lunaire.
Super. Faudra qu'on regarde tout ça. C'est quoi ça, stabilité basse? Ah bah oui, c'est... C'est sûr. Armée de clones. Des Raxikug, des Soljag, des Rax... On va rappeler tête du monde là. On a bien des... Au chômage, tiens. Ah bah non. Parce qu'ils servent à faire des bâtiments, eux. Ouais, c'est vraiment pas utile. Jondus, t'as des chômeurs. Ah oui. Voilà, on va stabiliser le monde en envoyant des troupes qu'on aime bien, qui nous aiment bien. Zaizuno, Jolderun. Ok. Bon. Là, la population. Oh, le bazar, voilà pas. Peut-être qu'on pourrait commencer à nettoyer quelques populations. Pour faire propre, en fait. Voyez, par exemple, ça, eux. C'est des plantoïdes. Vraiment, est-ce qu'on a envie d'avoir des plantoïdes? Et des fungoïdes. Ah ouais, les Sojags, ils sont bien, hein. Mais eux, par exemple... On pourrait en faire un... On pourrait en faire quoi? N'a pas promulgué la politique contre la population prohibée. Ah! Indésirable. Voilà, on va les purger. Et les Sojags, ils sont forts quand même, mais ils sont pas un peu rebelles. Ils sont forts. Est-ce que j'ai d'autres qui sont fortes? Non, j'en ai pas vraiment. Plutôt des faibles, moi, en fait. Bon, en tout cas, ceux-là, les Raxi machin, là, on va les virer. Ah, on peut pas avoir tout le monde, hein, non plus. Alors, on surveille surtout ceux-là, là. Voilà, c'est surtout lui qu'il faut surveiller. Alors, les trucs à 900. Sur bras. T'es où? T'es là. C'est un peu loin. On va faire ceux qui sont à côté alors. Allez, go. Recherche. 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 On va déjà faire tout ça. Et après, on ira là. Si on a le temps. Ce qui n'est pas dit. Toi, par contre, t'es là. Pourquoi, en fait? Ah, c'est là qu'il y a la base d'Alinéa. Non, toi, tu vas être là pour ça, toi, en fait. Hop. Voilà, ça va calmer. On viendra là après. Parfait, parfait. La science. Ça, on s'en occupe après. Au Lume, il y avait quoi alors finalement là où il y avait cette bête qui nous embêtait là? En fait, il y a que dalle là-dedans. Hein. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Bon. Alors, on a bien dit qu'on se défendait. Hein. Mais pas comme ça, pas pour l'instant. Pas avec les plateformes, surtout qu'on les refera les plateformes. On a bien dit les citadelles, 3 hangars, 3 batteries de canon. Ordinateur de ciblage, brouilleur et poste d'écoute. C'est déjà une forteresse stellaire, ça doit être amélioré en citadelle à mon avis. On verra.
Oui, je pense. 3 hangars, 3 batteries de canon, ordinateur SISA, poste d'écoute et je ne sais plus l'autre. Brouilleur, très bien. C'est pas mal. On regardera quand même s'il n'y a pas mieux à faire. Par exemple là. On n'a pas de machin. Parce qu'on a quand même pas mal. Enregistreur d'hyperligne, disrupteur de champ. Zone de haute sécurité. Supraconculateur de défense. Ordinateur de ciblage. Observatoire de trous noirs. Oh. Bureau logistique de la flotte. Académie de la flotte. Compagnie commerciale. Poste d'écoute. On a déjà le poste d'écoute, hein. Raffinerie de nébuleuse. Ok, on a déjà des trucs spéciaux pour raffiner en fait, hein. Enregistreur d'hyperligne. Ça me plaît bien ça, mais est-ce que c'est pas exactement ce qu'on a. C'est pas le poste d'écoute? Porter les capteurs 2, porter les détecteurs pour les hyperlignes pour les vaisseaux 4. Non. Non, c'est pas du tout la même chose. Aide récupération à point bon, chance de pouvoir se désengager. Ouais, bof. Non, c'est bien la même chose, ça, c'est poste d'écoute. Ordinateur ciblage, trou noir, bureau logistique. Non, 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 bah c'est bon. On va bien faire ce qu'on a dit. C'est-à-dire ça, le brouilleur, ça me paraît ce qu'il y a de mieux. Si vous voyez autre chose, vous me diriez. Alors, encore une menace. Agressivité agricole. Ah, deux districts agricoles. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. On a 9 premiers colons et un employé. Et là, on est à moins de. Je comprends pas ce que ça fait en fait. Allez, fais-moi un district agricole. Et fais-moi un district agricole. On verra nos planètes un petit peu plus tard. Très bien. Pourrait nous être utile. Priorité aux cristaux. Fin des mercenaires. Laissons-les partir. Ça pourrait nous être utile. Énergie produite par les emplois plus 5%. Ah non, non, mais de toute façon, c'est toujours les bonus permanents, hein, pas les sciences. Hein. Très clairement. Bon, on va quand même faire notre petit tour de. Ah non, bah non, ah non. La Holy Vague Cross Covenant à la Vague Cross Galactic State. Ok. Ça doit être ça, la Vague Cross Galactic State. La Holy Vague Cross Covenant. D'accord. Alors, la Vague Cross Galactic State. Là? Non. Là. Ok. Petit rebelle. Pas bien. Mal. Bah, si, c'est très bien, rebellez-vous. Si bah finalement on va s'occuper de nos planètes hein. On va s'occuper de nos planètes. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ma stellaire isolée, sa bassière n'a pas accès au réseau commercial. Oh bah oui tu m'étonnes, pauvre, pauvre chouchoute. Pauvre chouchoute, pauvre chouchoute. Les stations. Ouais, les planètes. Go 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 go. L'animax ce qui m'embête, c'est qu'il est pas de. Il a trop de premiers colons, mais derrière. Est-ce que je pourrais envoyer du monde ici par exemple et clac clac clac? Il n'y a pas beaucoup de secteurs à construire. Là non plus. Ah là il y a plein de secteurs à construire là par exemple en fait. À Jolt de Rune 3 je pourrais par exemple enlever ça. Construire Jolt de Rune 3 j'en ferai un monde quoi. Pourquoi un réseau énergétique il est automatique là? Il a un truc, d'accord, il a un truc énergétique. Pour en faire un monde énergétique. D'accord, bah on y va. Je fais les 4 districts. 1, 2, 3, 4. Ok. Et du coup, j'envoie plein de petits colons. Dans un monde arctique. On y va.
Ajol de rune, 3. Et donc là, mes chômeurs. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait, Intelligenza? On pourrait détruire un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi j'ai des bâtiments qui ont été construits et par qui et comment? Et surtout de quel droit? Ça a tellement pas de sens en plus de faire ça. Le gouverneur là, j'étais pas autorisé à construire quand même. T'as pas picolé à ce point que. Ouais, je le dure une 3, réimplantation. Et donc les premiers colons esclaves. Voilà. Alors, sur Intelligence, on a combien là? Maintenant, on a 60 populations, donc c'est celui-ci qui risque d'être dégommé. Et alors, est-ce que je pourrais pas en dégommer un si j'en ai 3 des premiers colons en trop? Bah oui, je pourrais en dégommer un. Et j'envoie 3 colons à Jules de Rune 3 encore. Peut-être que je bride leur naissance à eux, hein, parce qu'ils commencent à être un peu nombreux. Hein. Espèce. Les premiers colons, vous êtes super gentils. Mais il y a un moment. Service militaire contrôle la population. J'ai pas le droit de contrôler la population? Voyons mon gouvernement. Alors ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a en fait? Les charvaux, j'en ai plus en fait. D'accord, j'en ai plus. Ils sont tous devenus intelligents. Ou alors intelligents et machin. D'accord, j'en ai plus des comme ça. Ok, intéressant. La politique. Politique alimentaire, économique, commerciale, travail robotique. Autorisé, contrôle des populations. Autorisé. Très bien. Maintenant. J'en ai un peu marre là de mes travailleurs. Je suis à deux doigts de me dire que ces histoires de populations un petit peu différentes, c'est pas si bien que ça. C'est un peu chiant en fait. S'il y en a une. En fait, les esclaves, le fait qu'ils soient que esclaves, ils produisent plus, mais en fait, j'aime pas. En fait, j'aime pas. Je vais changer. Je vais devenir xélophile. Je rigole pas. Je vais devenir xénophile. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait. Avec mes premiers colons, voilà, voilà ce qu'on va faire en fait. On peut pas revenir en arrière. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va aller sur les premiers colons. Et on va les libérer. On va changer leurs droits. Citoyenneté. Résidence. Les peuples sont libres, mais disposent d'une poids politique moindre et cette espèce ne pourra donner naissance à aucune personnalité. Voilà. Ça y est. C'est officiel, ils deviennent résidents. Et je suppose que maintenant, ils peuvent devenir. Ils pourront changer de métier, progresser, etc. Ça me plaît. Et eux aussi. Allez, on devient xénophile. Et si je rejoue, je jouerai des xénophiles. Les Eryxouris sont là depuis longtemps. Je crois, hein. Ouais. Et Sojag, allez. Eux, ils sont 3, ils m'énervent. Citoyenneté, résident. Voilà. Je pense qu'on peut pas faire mieux tant qu'on est xénophile. Et donc, la personnalité de notre truc, là, gouvernement, réforme du régime, eh ben, est-ce qu'on peut arrêter d'être xénophile?
Non, je crois qu'on peut pas. Les éthiques, on peut pas. Je sais pas comment on change d'éthique. Vous m'expliquerez comment on change d'éthique. Ça me paraît par contre un peu compliqué de changer d'éthique. Alors maintenant qu'ils peuvent se déplacer et changer, je pense que je vais plus avoir à m'emmerder avec ça, là, vous voyez. Là, il y en a un qui peut pas travailler, ben il va augmenter, puis point barre. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avec le jeu? À quel moment le gouverneur, ou je ne sais qui, décide qu'il peut construire des trucs sur ma planète un peu n'importe comment? Vire-moi ça. C'est pas le but de cette planète. Le but de cette planète, c'est de créer des trucs comme ça, là. Voilà, raffinerie de gaz exotique. Très bien. Bon, toi, t'as un bloqueur, mais j'ai pas de sous. Monde forteresse. C'est pareil, ça, je comprends pas. Qu'est-ce que ça fout là? Ça, l'holothéâtre, je le comprends. Est-ce que j'ai eu un truc qui m'a donné un bâtiment automatique sur chaque. Qui a construit ça? C'est pas moi là, le truc qui joue tout seul, hein. Intelligentsia, paramètres du secteur. Priorité à la production de ressources brutes, telles que. D'accord, mais c'est lui qui fait ça en fait. Ok, il faut désactiver dans Intelligentsia et laisser activer dans les autres et arrêter de m'en occuper. En fait, Fenglou, il faut que je le nomme ici. Voilà, Fenglou, tu vas arrêter d'être là. Et là, on va nommer un nouveau dès qu'on pourra. Ok, c'est bon, j'ai compris. Allez, excellent. Ouais, d'accord, stabilité basse, agile de rune. 3, parce que ben, on a des trucs. District générateur, vague toxique. Attends, on va te remplacer par un. Maison de la loi, là. Voilà. On va le faire passer en premier. Shift-click. Allez, go. Bon, ça va mieux, j'ai compris. Fallait pas mettre d'abruti. Ou alors, fallait lui dire de rien faire et juste utiliser son bonus, en fait, c'est ça. Donc, j'ai compris. Planète et secteur. Ici, on peut mettre quelqu'un. Mais alors, dans ce cas-là, faut lui désactiver tout. Sinon, si on lui donne un truc comme ça, bah, il bosse, le mec. Réserve locale 0. Quantité de ressources mises en réserve par le secteur. Les réserves secteurs peuvent être utilisées par ce secteur selon sa priorité pour ses constructions planétaires. Alors pourquoi il a rien mis de côté? Transfert de ressources. Alors, ressources du secteur. Réserve partagée. 248. Très bien. Et alors, à quoi ça sert ces ressources du secteur mensuel réserve partagée? Comment ça marche? On va m'expliquer. On va refaire les secteurs prochainement, je pense. On va refaire les nouvelles capitales et voir s'il y a moyen de faire mieux. Donc en fait, faut pas que je m'occupe d'eux. Va falloir s'occuper d'eux. Là, on a un souci. Effectivement, peut-être. Ah, ça, c'est bien ça. Effectivement, c'est peut-être nos très chers amis. Gouverneur qui nous avait sauvé de la faillite, hein, pour le coup, par contre. Peut-être que ils ont du talent, par exemple. Contrairement à certains dont je ne dirai pas le nom. La technologie métal vivant, il faudra vraiment un jour que je me décide à la faire. Hein. Ah non, on avait dit que d'abord t'allais là, toi. Ah oui. Priorité à la priorité.
Donc là, on est d'accord qu'on n'a pas de contact. Hein. Construction complete. Ok. On est en train de pédifta. C'est long. Ok. Ensuite, station de chorus. Oui, on va l'augmenter aussi. Ah, les recherches. On y va, autocanon, bien sûr. Et puis, réplique complexe civile. Amélioration en citadelle, c'est pas l'air prioritaire. Par contre, ça serait bien de le faire en premier. Et ça augmente ça. C'est pas normal. Ah, bah si, c'est à cause de ça que ça augmente. D'accord, je comprends bien. Mais du coup, on est à 12 ans. On a toujours été à 12 ans. On sera toujours à 12 ans. Il faut que je mette un spécialiste en fait. Dès que je pourrais avoir un spécialiste. Attends, qu'est-ce que tu me fais? Dès que je pourrais avoir un spécialiste. J'en ai pas un. Voilà, il y en a un là. Voilà. Et du coup, ça va augmenter. Et ça va être moins long. Et après, on sera débarrassé. Parce que sinon, on va jamais s'en sortir de ça. Est-ce que j'en ai pas un autre là? Un petit bonhomme avec ça là. Il commande un ISS ambassadeur. On va te révoquer, toi, ISS ambassadeur là. Qui va faire je sais pas quoi. Hop là. Hop là. On continue. Voilà. Donc on arrête. Comment je fais pour t'arrêter de tenir des ordres? Voilà. Très bien. Bon. Maintenant. Je hop, technologie, voilà, ça, j'aimerais bien qu'on, non, lui c'est idéal, donc c'est lui qu'il faut changer, voilà, et ici, on va mettre ça, très bien, 1, 2, 3, 4, 5, on va attendre que tout ça disparaisse petit à petit. Construction complete. Alors lui il bosse bien, il va bosser encore mieux ici. Là tout a été récupéré. Voilà, il va passer derrière en fait. Très bien. Ah bah là le secteur il s'est fait. Là, on a un gros secteur. Je vois pas comment on pourrait avoir mieux. Ça, c'est le secteur pourri, mais avec Nemak ici, il est coincé. L'autre, il n'a pas vraiment le choix. Ou alors, on met pas de planète ici. Ça serait stupide. Et ça, on est dans Nemak. 1, 2, 3, 4. Et bah, Yatan, il sera pas dedans. Par contre, on pourrait faire un secteur avec Yatan. Qui aille donc. 1, 2, 3, 4. Qui aille 1, 2, 3, 4, qui démarre d'ici en fait. 1, 2, 3, 4, ce qui viendrait à peu près jusqu'ici. Voilà, et peut-être que Rantor, non, c'est bon, Rantor restera comme ça. Faudrait faire un secteur à Dumgar. Alors, ensuite, les flottes, mais c'est pas tout, parce que là maintenant, il va falloir qu'on aille faire les planètes là. Coloniser bah eux d'accord il nous faut des biens. Ouh oui ça c'est la panique là c'est la panique tout le monde consomme plus de biens c'était bien de libérer tout le monde mais alors tout le monde consomme plus de biens d'où je comprends mieux pourquoi les esclaves tout ça patati patata mais non c'est mal les esclaves bah oui mais tu les payes pas les esclaves mon gars tu les nourris pas t'en as rien à faire d'eux. Non, on va se ruiner là, ça va jamais tenir. Hein. On a complètement bousillé le système. Hein. Il bouffe même plus. Un truc de fou. Voilà.
Celle-là, je suis obligé d'annuler, hein. Ok. Est-ce qu'on pourrait vendre une partie de ces ressources-là? Ouais, on pourrait vendre une partie comme ça. Vendre de comme ça, 5 par truc parce qu'on en a trop. Et puis acheter des gaz à l'inverse. Je suppose qu'avec les taxes, on en achète 3 et ça va compléter. Et on restera à 0. Ça serait bien de faire 4. Non, quoi qu'on est en train de faire un... Ah. Très bien, bon. On va être bon à peu près, quoi. On va voir ce que ça donne. Peut-être pas au niveau du fric. Ça va être la surprise. Mais le bon côté, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de bases encore qu'on va pouvoir construire. Et quand on les aura construites, eh ben, on sera nettement plus performant. Et il faut pas que je repousse trop la construction des bases de plein de choses. Bah oui, mais ça c'est évident, c'était un petit rebelle de rien du tout. Programme non plus. Ah bah attends, dis donc, j'en ai fait moi des trucs, des quartiers comme tu m'as dit là. Hein. Là on est pas mal quand même, hein. Un peu tendu là, mais ah, on gagne trop d'argent, super. Construction complete. Top 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 50. C'est pas mal, c'est pas mal. Si on a réussi à les libérer et tout et à obtenir un équilibre, bah écoute, moi je suis super content. On va faire des. En plus ça doit pas être dur. On y va. Les planètes et secteurs. Je voudrais vraiment nommer. Criminalité, tiens, excellent. C'est lequel le secteur qui se rebelle là? C'est toujours à Jolderon? Ah bah oui, c'est pas bon ça. On n'a pas une planète ici? Non, apparemment pas. Bon, les planètes et secteurs, ici. On nomme monsieur. Et j'aimerais que là tu sois en priorité scientifique. D'accord, bah oui, priorité scientifique. Transformation, d'accord. Pas mal quand même au final. Et toi, tu vas être en équilibré. Non. Produire du production. Et toi, pareil. De la production. Voilà. Vous faites votre deal. Et puis j'espère que vous allez bien bosser. Et je m'occupe plus de vous. Grave, je m'occupe plus de vous à part de ça, quoi. Et éventuellement, je peux enlever des... Mais non, ça n'a rien à voir, ça. Surpopulation. Non, mais je m'occupe plus de vous, vous allez vous gérer. Divda 3, on a une planète là-dessus? Ah, faut faire un secteur dans le coin? Il n'y a rien. Y'a rien mec hein. Martins Naro, c'est quoi ça Martins Naro? J'arrive même pas à voir où c'est Martins Naro. Martins Naro, Théa. Montre-moi mieux. Théa Inessa. Ok, Théa Inessa. Un Artinaro, je sais pas, tu peux pas rejoindre un secteur Rentor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il y a une planète là? Les planètes, j'ai l'impression qu'ils ont des petits. Voilà, ils ont des petits trucs comme ça là. Non, c'est pas que ça. Alors on va voir dans le secteur Rentor, il y a combien de planètes? Il y a Gozor, Tuz, Nugram. Ah d'accord, il y a des planètes. C'est compliqué à comprendre. Hein. On les voit pas forcément. Tuz,
Nugram. Ah, elle est là, ok. 1, 2, 3, 4, ok. On peut pas aller plus loin. Ou alors on peut la mettre 1, 2, 3, 4, ici, dans un secteur qui démarre ici. 1, 2, 3, 4, ça va pas jusque-là. Ah ouais, non, non. Et là, Inessa, 1, 2, 3, 4. Je crois qu'on va déplacer ce secteur-là. On va laisser tomber Fia. Et on va venir occuper Inessa. Pour moi, 1, 2. Ah, oh là là! 1, 2, 3, 4. Faudrait faire le truc ici. 1, 2, 3, 4. On aurait tout là. Hein. 1, 2, 3, 4. Oh ouais. Faut mettre la capitale ici. Et ça va partir du secteur. Mais ça rejoindra un secteur qui sera sûrement dans ce coin-là. Je pense. On verra bien. 1, 2, 3, 4. Peut-être. Rentor, il peut y aller. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est dommage. Hein. Oh là là, ça m'énerve cette limite à 4. Ah, c'est vraiment pénible. D'accord. Ah oui, ça c'est des spécimens, ça me plaît trop. Bon, j'ai dépassé pas mal, hein. Ouais, je sais que j'ai dépassé pas mal, mais je prends beaucoup de plaisir là à regarder les trucs. Toi, tu vas faire les autres. Ouais, je vais continuer encore un petit peu, si j'ai envie de... Ouais, vas-y, continue à faire les débris. Là, on va jouer vite. Maintenant que je vois un peu mieux ce que je veux faire. Là, on n'est pas trop mal. Pour moi, ça colle. On augmente les allocations aux chômeurs. On va le payer. Ah putain! Il faut moins de chômeurs là. Alors, en fait, maintenant, normalement, techniquement, je dois pouvoir leur donner du boulot de comme ça. Hein. Moins un logement. Oh, c'est intelligent ça, c'est si petit que ça, cette fichue ville. Qu'est-ce que t'as fait là? Résidence. Eh, on a fait un nouveau truc ça. On avait fait un nouveau truc, non? Non. Compliqué. Bon, on va gérer tout ça dans le prochain épisode. Le journal de bord. On va marquer sur la carte. Marquer sur la carte. Là, il nous en manque plus que deux. Programme de recherche subitale des stations scientifiques. Ouais, ça me va. Je pense que ça devrait être bon. Ah non, pas nous. Ouais, ils se battent entre eux là maintenant. Ok, ça me va. Ok, les flottes elles sont arrivées. Non, pas tout à fait. Pas mal. On va s'arrêter de toute façon. Dès qu'elle sera arrivée, on va s'arrêter. Oh là là, les biens de consommation. Et bon, on y va. En plus, on a plein de fric. C'est pas comme si on en manquait. En fait, on est pas mal en vrai. Encore. Ouais, mais c'est parce qu'on avait baissé notre fric là, c'est juste pour ça. Ah! Excellent. Viens ici faire ton avant-poste. Toi, tu vas faire ici. Voilà. Ici. 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 Vaisseau scientifique. Ok. Ben, tu vas retourner ici.
Un duel de runes. Non, pas un duel de runes. Un Saito Zino. Un. Assister à la recherche. Ah, d'accord, t'as plus de. Ok, bon, bah on voit tout ça dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. À tout de suite pour la suite.